je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser. Double jeu pour Joshua, oui. Que je connais depuis 2011 même, oui. Que j'ai rencontré à un concert de Véronique Sanson, et puis on est resté assez proche. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Les premières de ce spectacle à Marseille, oui. En 2019, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Les chansons de Michel m'émeuvent de toute façon, donc elles soient chantées par Michel ou par Joshua. Il y a une, avec Joshua, il y a une intimité qui s'est créée avec ses chansons. Et quand, selon les titres qu'il chante, moi ça me donne des frictions. Moi aussi, c'est vraiment... Des larmes aux yeux. C'est un beau spectacle. C'est un très très beau spectacle. Ouais. Il faut absolument voir. Ça s'appelle Double Jeu. Ça s'appelle Double Jeu, voilà. Bien sûr. D'ailleurs, l'affiche reprend la... La pochette d'un disque de Michel, je crois que c'est Beau Rivage. Mmh. Et c'est vraiment très très joli, c'est bien fait. Mmh. Les titres sont bien amenés, sont bien joués, sont bien chantés. Il a une bonne présence et puis il le vit très bien. Son... Ah oui, tout à fait, oui. Il est habité par le personnage sans le caricaturer, sans le copier, en restant lui-même. Il amène sa touche personnelle aux chansons de Michel. C'est vraiment un... super artiste. Voilà, un fan qui vient du Sud pour voir le spectacle sur Paris. Absolument. Tellement il est formidable, l'artiste. Il s'appelle Double Jeu. Et ça se joue au Théâtre du Gouverneur. Vous avez vu Double Jeu ce soir et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'ai trouvé ça fantastique. Hein, si vous aimez Michel Berger, si vous aimez France Gall, si vous aimez cette période, c'est plein d'émotions, plein d'amour, plein de chansons, et d'ailleurs c'est bien qu'il y ait autant de chansons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de paroles entre les chansons, et ça permet, ça m'a rappelé en fait que Michel Berger était non seulement un bon mélodiste, mais en plus un bon harmoniste, c'est-à-dire qu'il a une évolution harmonique super intéressante. Je vous conseille ce spectacle, il est fantastique, en plus le quartier est super sympa, enfin moi j'aime ce coin du 19e, rue de Crimée en fait. Et ça se passe au Gouvernail, voilà. Théâtre. Voilà, le Gouvernail, super petit théâtre, super mignon, super cosy. Donc allez-y, c'est vraiment le spectacle que je vous conseille pour la rentrée 2023. Bonne année. Merci, moi aussi.